Salut les loups, aujourd'hui vidéo rapide de post-période de Noël, juste pour vous raconter une petite anecdote pour que vous vous sentiez moins seul. J'ai bien galéré pendant ces fêtes de Noël. Fort heureusement, ma belle famille est extrêmement gentille. Je sais pas comment j'aurais fait si ça avait pas été le cas, mais je suis quelqu'un qui est habitué à vivre tout seul, en tout cas en très petit comité, puisqu'on n'est que avec Mathieu et ma fille, et de me retrouver en groupe, moi qui pensais avoir travaillé pas mal de blessures, ça a fait remonter beaucoup beaucoup de choses. Donc déjà merci à ma belle famille d'avoir pu faire remonter ça, et juste pour vous dire que ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que vous avez pas travaillé que des choses remontent. Ça veut juste dire que quand on est en groupe, on pense avoir travaillé des blessures qui sont bien finies, et en fait quand on est en groupe, on vient prendre la pelleteuse et remuer le fond de la rivière avec tous les alluvions, etc. Il y a toute la merde qui remonte en surface. Alors c'est bien, sauf que ça fait mal. Du coup j'ai été malade pendant quasiment toute la durée du séjour, parce que fallait que ça évacue. Je me suis rendu compte que j'avais encore beaucoup 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 de choses à travailler, donc c'est top, ça fait mal, c'est compliqué. Mais c'est génial, et plus on découvre des parts d'ombre à l'intérieur de nous, des parts qui sont pas encore amour, plus ça nous permet d'aimer ces parts-là, de leur donner de l'attention et de l'affection, et plus on découvre nos parts d'ombre, plus on peut les aimer, donc plus on s'aime soi-même. Donc CQFD, les fêtes de Noël et les réunions familiales sont le super point pour pouvoir évoluer, s'aimer encore plus, même si on en chie sévèrement, que c'est difficile, mais que plus on a de la chance de le faire avec des gens sympas, mieux c'est quand même, parce que au moins c'est des gens compréhensifs. Donc j'en profite pour faire un bisou à ma belle famille et leur dire merci d'être venu, et merci de m'avoir fait travailler en douceur. Enfin, pas en douceur pour moi, mais ça c'est mon problème. Mais en tout cas, d'avoir pu faire remonter des parts que je pensais avoir travaillées et qui en fait ne l'étaient pas. Donc voilà, profitez des fêtes de Noël et de toutes les réunions familiales. Elles sont totalement bénéfiques pour l'amour de soi. À très bientôt.